Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est PlayGeekTheWise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Xbox One récemment, la possibilité d'associer une manette à un pseudo. Donc on va voir ensemble comment activer cette fonctionnalité. Alors concrètement, quel est le but de cette nouvelle option? Alors c'est assez simple, hein, c'est d'associer une manette à un pseudo pour pouvoir lui permettre de se connecter automatiquement sur votre console. Donc si par exemple vous avez plusieurs personnes à la maison qui jouent à la Xbox One et que vous avez plusieurs manettes aussi, ça vous permet d'associer par exemple une manette rouge, entre guillemets, hein, à un pseudo 1, une manette rose à un pseudo 2 et une manette noire à un pseudo 3. Donc, ce qui permet d'éviter de tout le temps devoir faire se connecter en tant que, ou ce qui peut être une option intéressante pour les gens qui n'avaient pas forcément Kinect et la reconnaissance faciale. Donc, c'est plutôt intéressant. Pour l'activer, c'est assez simple, il suffit d'aller dans les paramètres de la console, sur connexion, sécurité et clé d'accès qui sont dans le paramètre compte. Et là, vous allez assigner la manette qui est allumée à un pseudo en particulier. Une fois que c'est fait, dès que vous activerez cette manette-là, celle-ci connectera automatiquement votre compte, ou celui d'un ami, ou celui d'un proche. Ça vous fera gagner du temps et un peu d'énergie. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un peu mieux la fonctionnalité. Et moi, je vous dis à très bientôt sur xboxlive.fr. Salut à tous!